bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment, mais me voilà. Dans cette vidéo, j'aimerais parler du temps, le moment présent, être avec soi-même et savoir prendre son temps. Après un très long moment sans toucher à la peinture à l'huile, je vais enfin peindre avec et on fera un peu de couture. Et à la fin, j'aurai quelque chose à vous annoncer, donc restez bien jusqu'à la fin. Il y a quelques mois, j'ai entendu cette phrase « Tout ce que tu le veux parce qu'une future version de toi l'a déjà. » Et que chaque fois qu'on ressent ce fort sentiment de savoir profondément ce qu'on veut et que ça nous rend contents ou heureux, c'est en fait notre future version de nous-mêmes qui essaie de communiquer avec notre version actuelle qu'on a déjà cette chose. Tout ce qu'on a à faire pour atteindre cette version future de nous, du coup, c'est faire les causes qui sont en alignement avec ce qu'on veut. Ok, j'ai un exemple à vous donner pour illustrer ce que je viens de dire. En janvier 2022, avant que j'apprenne à coudre, je m'imaginais déjà en train de faire de magnifiques vêtements et j'imaginais de quelle manière j'allais en faire une vidéo YouTube. Et à l'époque, rien que l'idée de savoir coudre et en avoir fait une vidéo me rendait tellement joyeuse alors que sur le moment, j'avais pas à coudre et j'avais encore rien fait, rien filmé. Dans ma tête, je me disais un jour, tout ça sera fait et ça me rendait vraiment hyper contente. Évidemment, parfois, je me disais que ça avait l'air trop dur et que peut-être il fallait s'arrêter là et se contenter de peindre et de filmer. Mais à chaque fois que je pensais au résultat final de tout ça, je ressentais une joie et une hâte que je ne pouvais juste pas ignorer. C'était peut-être la future version de moi qui m'envoyait des messages et qui me disait « Bouchra, tu veux pas t'arrêter là? Regarde tout ce qu'on a fait. » Et au final, j'ai fait les causes qui étaient en alignement avec cette version de moi. Par exemple, apprendre à coudre, et filmer en même temps, préparer le script de la vidéo. Tout plein de petites actions comme ça qui au final auront de grandes répercussions. 9 mois plus tard, j'ai publié la vidéo sur YouTube et tout comme dans mon imagination, ce jour-là était un jour très joyeux pour moi. Donc maintenant j'attends que ça sèche. Oula. Mais si je bouge la feuille en fait. Oula. J'ai peur que quand je vais enlever le scotch, la feuille va s'arracher. Parce que ça fait longtemps que j'ai commencé cette peinture, mais le scotch du coup il est resté longtemps. De toute façon, on verra. J'ai pris trop de temps avant de finir cette peinture et du coup, je sais pas si vous voyez, normalement oui, mais le scotch qui était violet là, il a laissé de sacrées traces, mais on va couper ça tout de suite. Et voilà, beaucoup mieux, je vais la coller sur le mur. À la base, j'ai fait cette peinture pour m'entraîner parce que ça faisait un moment que j'avais pas peint et je devais peindre une grosse peinture à l'huile, donc je voulais entraîner ma main. Mais au final, j'ai fini cette peinture après avoir fini la peinture à l'huile, donc bon, c'est pas grave. Elle est jolie, c'est pour le mur, on va la mettre à côté. Voilà. Ouais, ça le fait. Bah, pas tout de suite. Mais j'aime trop le rendu. C'est un rendu simple, très sketch. Mais tellement... En fait, c'est les couleurs, elles sont douces. Du coup, la peinture, est... c'est difficile de ne pas la regarder, surtout que ça brille en haut. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'ai un autre exemple à vous donner et celui-là est plus récent. J'aime faire des vidéos longues pour cette plateforme, mais je ne pouvais pas le faire, faute de matériel. C'est pourquoi, au lieu d'être constante, je reviens tous les 6 mois. Ma dernière vidéo date de janvier et après ça, je pouvais plus en faire.
Mais je m'imaginais tout de même avec tout mon matériel en train de faire des montages pour YouTube et encore une fois, je me sentais bien en y pensant. En fait, c'est l'imagination la clé, parce que le cerveau, il sait pas faire la différence entre la réalité et ce qui est, entre guillemets, faux. Vous pouvez créer votre propre réalité rien qu'en imaginant. Et du coup, si vous imaginez beaucoup une chose, votre cerveau, il va croire que c'est la réalité. Et vous allez commencer à faire des actions en alignement avec votre réalité que vous avez en réalité imaginée. Et durant tout ce temps, je faisais des actions en alignement avec cette version de moi qui pouvait faire des montages quand elle le voulait et qui avait tout le matériel qu'elle voulait. Par exemple, un mois après ma dernière vidéo, donc en février 2023, j'ai eu ma caméra et malgré que je ne pouvais pas faire de long montage, j'ai continué à filmer jusqu'à remplir plusieurs cartes mémoire. J'ai pas attendu tout avoir pour commencer, j'ai fait avec ce que j'avais. Je faisais ce que je pouvais faire à mon échelle à moi. Je regardais ce qu'il y avait devant moi et je faisais avec et petit à petit les choses avaient. J'agissais comme si j'avais déjà tout avec moi, j'agissais comme si j'étais déjà la future version de moi et j'ai fini par devenir cette version-là. Et en ce moment même, je prépare le montage et je peux même en faire plusieurs en même temps et je me sens vraiment très reconnaissante et heureuse par rapport à ça. Les vidéos ont la capacité à elles seules de regrouper tout ce que j'aime en un format et on peut aussi ressentir des émotions à travers elles, c'est pourquoi j'aime autant en faire. Maintenant, j'espère que ces deux exemples vous ont fait écho et vous avez compris ce que je voulais dire à travers tout ça. Mais comment savoir si les actions que nous faisons sont en alignement avec ce qu'on désire? Notre future version de nous et notre version du présent sont en constante communication. Et comment votre version du futur communique avec vous, la version du présent? À travers l'intuition et les émotions. Avant de faire quelque chose, soyez attentif à la façon dont vous vous sentez intérieurement. Est-ce que vous vous apprêtez à faire quelque chose qui vous procure de la joie? Est-ce que vous vous sentez bien? Si la réponse est oui, alors c'est la bonne chose à faire. S'il y a des doutes ou un malaise, alors c'est non. Mais parfois, on ne peut pas entendre cette intuition parce que nous ne sommes pas dans le moment présent. On ne l'entend pas parce qu'elle est brouillée par des choses inutiles. Par exemple, si on scrolle sur les réseaux pendant des heures et des heures, qu'on enchaîne série sur série, ou qu'on est à fond dans la vie des autres et que du coup il n'existe pas un moment où nous sommes avec nous-mêmes, notre intuition est alors brouillée par ces choses-là et elle ne peut pas arriver à nous. C'est comme s'il y avait un brouillard qui nous empêchait de voir le magnifique paysage qui est juste devant nous. On a besoin d'être avec nous-mêmes dans le moment présent pour pouvoir l'entendre. On a besoin d'avoir un temps juste pour soi où on passe du temps juste avec nous. Et d'ailleurs, c'est dans les moments où j'étais avec moi-même et que je me suis donné du temps à moi que d'incroyables idées sont arrivées à moi. Mais je sais à quel point ça peut être difficile de rester avec soi-même au début, quand on n'a pas l'habitude. Ça peut faire peur pour certaines personnes et c'est pourquoi on préfère combler le vide en regardant une série, être sur le réseau, être tout le temps entouré ou rester tout le temps sur son téléphone. Il faut commencer doucement au début. Par exemple, vous pouvez commencer par tenir un journal où vous parlez de vos ressentis, de vos journées. En faisant ça, vous en apprendrez plus sur vous-même. Ou encore, vous pouvez faire des promenades rien qu'avec vous. Petit à petit, le silence ne sera plus désagréable. Et vous ne vous sentirez plus seul. Puisqu'après tout, vous êtes avec vous-même. D'ailleurs, c'est lors d'une longue promenade qu'il y a quelques mois, une idée m'est venue.
La meilleure manière de passer du temps avec soi-même, c'est de trouver une passion. De cette manière, vous pourrez faire ce que vous aimez sans voir le temps passer. Et là, vous vous demandez, ok, mais comment savoir ce qui me passionne? Je crois avoir trouvé une solution qui pourrait vous aider. Depuis mes débuts en 2015, j'ai testé énormément de choses, comme par exemple le dessin, la peinture. Et dans la peinture, il y a la peinture acrylique, la peinture à l'huile et l'aquarelle. J'ai testé différents supports comme le papier, les toiles, les coques, le textile. J'ai utilisé des marqueurs, de la peinture, de l'encre. J'ai testé la broderie, la couture. Et en ce moment, j'apprends la cinématographie pour filmer de manière plus cinématique. Et j'apprends aussi la photographie. Et d'ailleurs, récemment, j'ai filmé mon tout premier mariage. J'ai testé tellement de choses que je pourrais pas tous les citer parce que j'ai pas tout en tête et il y a des choses que j'ai aimées que je fais encore et il y a d'autres choses que j'ai moins aimées que du coup je fais pas, mais j'ai dû tester tout ça pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ma curiosité n'est pas prête de s'arrêter et je vous propose d'être curieux à mes côtés. Je vous propose d'apprendre à mes côtés. Depuis 2021, quand j'ai commencé YouTube, j'ai stocké des heures et des heures de vidéos et je ne sais toujours pas quoi en faire. Des vidéos des coulisses, des vidéos en temps réel de certaines peintures et beaucoup de photos, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Ce que je fais prend énormément de temps et parfois je suis un peu frustrée de ne montrer que le résultat final sans les coulisses. C'est pourquoi j'ai créé mon Patreon. Si vous ne savez pas ce qu'est Patreon, c'est une plateforme, une application qui permet aux créateurs de contenu tels que moi de proposer du contenu exclusif en échange d'un abonnement mensuel. En devenant un membre de mon Patreon, vous aurez accès à un contenu exclusif que je n'ai jamais partagé à personne et ça me permettra à moi d'avoir accès au matériel dont j'ai besoin pour mes vidéos et ainsi vous apporter du meilleur contenu. Vous aurez accès aux coulisses de mes vidéos et vous aurez des aperçus en avance de mes prochaines vidéos YouTube, des tutos peinture, des photos, des vidéos couture et bien plus encore. Je vous emmènerai avec moi dans les coulisses, je vous parlerai de mes art blocs et comment je règle tout ça et bien plus encore. Apprendre en regardant et en écoutant est une méthode que j'utilise beaucoup. D'ailleurs, vous savez comment tout a commencé pour moi, j'ai regardé quelqu'un faire et je me suis mise à le faire moi-même. Vous retrouverez le lien de mon Patreon en description ou vous pouvez directement aller sur www.patreon.com/boucheraart. Ce mois-ci, vous retrouverez le processus complet de cette robe que j'ai faite pour l'Aïd et aussi une nouvelle peinture que je n'ai encore jamais montrée. Que vous soyez débutant ou avancé, vous ressortirez plus créatif, j'en suis certaine. C'est en testant différentes choses qu'un jour, on tombe sur la perle rare. Dans mon cas, c'est la peinture, la couture est filmée, et qui sait, peut-être qu'il y a autre chose encore. Mais avant d'arriver à là, j'ai dû tester beaucoup de choses. Pour devenir la personne que vous rêvez d'être, il faut faire un pas vers cette personne. Armez-vous de patience et tout ira bien. Et qui sait, peut-être que ce sera vous bientôt qui aiderez les autres à être leur meilleure version d'eux-mêmes. Monter cette vidéo fut si agréable, j'espère que vous aussi vous aurez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de commenter, et je vous revois très bientôt. Thank you.